Bon, je vais me faire plaisir. Je vais faire un coucher de soleil avec dans un port. Un jaune lumineux, couleur du soir, quoi. Un peu de mauve, pas terrible ce mauve. Faire un petit rappel en bas, si ça veut. Les aquarelles n'ont pas été assez mouillées. J'ai du mal à en extraire la couleur. C'est sûr qu'en tube, c'est déjà mou, quoi. Là, c'est dur. Un petit peu d'orange. Mettre un mauve plus foncé, il me semble que j'en ai un. Moi, si j'en ai pas, bon, ouais, j'ai pas de mauve foncé. On va prendre du bleu et du rouge. Alors, le rouge est répandu. Je pas trop empiéter sur l'orange. Je vais mettre un peu plus foncé, peut-être le haut. On va voir si ça veut un peu plus. Ça veut pas beaucoup, non? On va voir si j'aime. On va faire comme ça. Moi, je vais attendre que ça sèche et je verrai après. J'ai envie de faire quelque chose, mais je sais pas quoi. Non, je vais laisser. Ouais, je vais foncer un peu plus peut-être. Non. Si. Je vais foncer un peu plus le bas. Non, je. Bleu.
Bon, je vais. Je vais ou je vais pas. J'hésite. On va faire quelques retraits de blanc. Avec une carte un peu rigide. Là, c'est, vous voyez, c'est Star Wars. Vous voyez comment. Je veux faire que ça va bien plus cette un bleu très très profond. Je vais faire des bateaux qui se découpent. Je voulais garder un peu plus de jaune ici dessous, mais j'ai été trop. Ben, ça ira. C'est là que je suis au tiers de la feuille, là, ici, plus près du nombre d'or. Ça pourrait être des arbres au fond. Je vais laisser ce. Des mâts, parce que j'aime bien les mâts, des boîtes, des bateaux. Je reviendrai après. Il y a beaucoup de bateaux là. C'est un grand port. Si vous savez où c'est, vous me le dites. Bon, je vais arrêter pour l'instant. Ça me plaît bien, moi, pour l'instant. On verra ça tout à l'heure. On va continuer. Alors, une chose qu'il faut faire quand on. Parce que là, quand le papier mouille, il gondole. Je ne sais pas si ça se voit bien. Alors il faut le mettre un peu sous presse, dans un carton. S'il reste frais, il faut bien sûr que ça ne luise plus. Mais on le met dans un carton ou sous presse, quoi. Et ça sèche, tranquille. Et le papier, ça peut être mis sous verre facilement, sans problème. Donc je vais attaquer. Je vais faire des bateaux. Enfin, on va continuer. Je vais faire avec un pinceau biseauté là. On arrive à faire des choses très intéressantes. Il n'y a pas de numéro, il n'y a rien. Si. C'est un coréen ça. Ah Wong 972.
Coréen, Coréen. On va prendre ce bleu puissant. On va ajouter du rouge. J'en prépare un peu. Bon, allons-y. Et hop, n'ayons pas peur. Ça manque de puissance, je trouvais. J'invente carrément, hein. Je sais pas s'il y a des beaux bateaux comme ça. Mais bon, là il existe. Je le vois. Mais c'est pas assez sec là. On va attendre que ça sèche un peu plus. D'autres bateaux. Et des mâts tordus. Si, si. Attendre que ça sèche un peu avant de. Je vais faire quelques retraits. Beaucoup de bateaux. À sécher, les retraits est plus difficile.
ma penchée. Ben oui. Pas de raison. Bon. Je vais essayer de sortir des blancs de là. Ouais. Espèce de... Je sais pas. Je mets un peu de aquarelle pour faire des espèces de traits. On peut peindre avec à peu près tout, les doigts, les mains, les pieds, avec la tête de temps en temps. J'ai même posé mon cul une fois sur une toile. Alors tout est permis. Il ne faut pas dire des grossièretés, c'est pas une grossièreté ça. Tout le monde a un cul. Si, si. Voici l'autre. On va lui donner du rouge aussi. Oh, mais c'est pas mal. Je vais laisser sécher puis donner quelques éclats de blanc, peut-être quelques mouettes. C'est encore humide. Ah. On va pas faire de bêtises. Le papier est ondule un peu. Alors montrer, il est épais, fin, épais, normal. C'est pas sec encore ça, le rouge a déteint. C'est juste pour donner plus d'accent.
Pas assez blanc. Là, il y en a plusieurs. Je trouve que c'est pas assez blanc. J'ai envie de faire un petit rappel du soleil, là, peut-être. Des petits accents de lumière. Bon. On va dire que c'est bon. Je pense que je vais reprendre ce sujet avec différents nuages, différentes couleurs. Ouais, c'est ce que je vais faire. Bonjour le cygne. Ça ondule, ça m'énerve. Je vais prendre le petit pinceau. Si je le trouve, bien sûr. Et mince, je sais pas où il est. Je pose mes trucs n'importe où. Là, il est trempé. Ah, celui-là. Je parlais de celui-là. Je vais signer avec la pointe. Et voilà. Donc je vais décoller.
Ça arrache un petit peu au coin là. Toujours faire attention à votre papier, le frotter. Le frotter au bord de la table pour casser le collant. Sinon ça arrache le papier. Bon là c'est collé. J'ai rabattu le derrière. On va le faire quand même. Voilà, terminé. Je pourrais très bien enlever le scotch et puis signer ici. Bon. Voilà. Je vous dis à la prochaine. Merci d'avoir visionné.